Et salut à tous, c'est Pipou, on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite du Let's Play de Firmonium. Alors on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois. Je suis toujours dans la zone féerique. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je peux pas attaquer là? Oh, je me fais courser par un dragon. Ah merde, ah! Aïe! Eh merde! Ah, oh! Je vais clamser là, non? Eh ben! Alors. On est où là? Donc là je peux pas y aller. Là non plus. Plutôt par là du coup. Ah, qui c'est lui? Lad. Ne me dis pas un clown, n'est-ce pas? Moi aussi je peux être aussi effrayant que toi et terrifier Max ensemble. Ce serait tellement plus cool que de pouponner des chevaux. Au diable ces chevaux, je t'en vends 60 pour seulement. Attends, laisse-moi compter. 10 000, disons 100 ballons. 60 chevaux pour 100 ballons, est-ce que tu vas en acheter? Les ballons sont trop fun et pour les chevaux, il faut juste prendre soin d'eux, les laver, les nourrir. Je blague, jette-les en l'air et pulvérise-les en milliers de morceaux. Les chevaux. Équiper le cheval, appuyer sur rond pour jeter le cheval une nouvelle fois pour le briser en mille morceaux. Ah d'accord. D'accord, c'est pour atteindre des choses que je peux pas atteindre de base. Peut-être un peu haut ça, non? Ah non, ça passe. Ouais, ça peut être utile, hein. Ah, viens là, toi. Alors, on arrive où là? Putain, là, ça y est, je trouvais le boss, mais j'ai besoin de la clé. Sauf que je n'ai pas la clé. Ah merde! Ah, comment on fait là? On va pas passer là. Ouais, c'est un miracle que je suis arrivé jusque là. Alors, te voilà, petit con. Quoi, combien de temps je suis resté là? Je me suis souvenu de toutes les histoires que papy m'a racontées, mais j'ai perdu la notion du temps. Ah, c'est quoi? C'est le beau-père, lui?
Ton manque du sens du devoir ne cesse jamais de me surprendre. Ton grand-père était nul, il avait aucune idée de comment il fallait t'élever. Ouais, sympa, lui. Bouge tes fesses, espèce de flemmard, mais je bouge, je te dis, et enlève ces stupides casquettes, j'ai honte qu'on nous voit ensemble quand tu portes ce truc. C'est comme ça qu'on se dit au revoir, je n'ai pas pu te dire un seul mot, papy. On nous sépare à nouveau, il n'y a rien que tu ni moi puissions faire. Ma vie est dévouée de toute justice. Ta mère n'arrête pas de s'égosiller comme une dinde, il est au max, il est au max. Tu crois que ça m'amuse d'entendre ça, ces pleurnicheries constantes en propos de toi? Monte dans la voiture, je t'ai cherché partout, tu vas payer l'essence avec ton argent de poche. C'est ma mère qui me donne cet argent, ça ne l'appartient pas. Et on sait tous pourquoi il me cherchait vraiment. Il n'était pas inquiet pour moi, il serait ravi si je disparaissais pour toujours. Mais il voulait m'avoir à nouveau sous son joug, ce n'est qu'un tyran qui profite de la moindre chance pour attaquer quelqu'un de plus faible. Et maman n'est pas suffisante pour combler sa cruauté. Il ne va rien dire pendant tout le retour, je déteste ce silence colérique, cette tension, je n'ai aucune idée de ce qu'il va faire après. Mais j'aime encore moins quand il commence à parler. Très bien, ça suffit, sors de ma caisse. Quoi? Tu es sourd, dégage. Ça me dégoûte d'être près de toi, tu ne sers à rien, tu peux faire le reste du chemin à pied, ça t'apprendra. Hein, vraiment un bâtard jusqu'au bout. Je dégoûte, il ne m'a même pas demandé ce qui m'est arrivé, je me suis battu plusieurs fois avec Lucas, je ne sens plus la moitié de mon corps et la moitié me fait un mal de chien. Je ressemble à un sac de déchets et je me sens encore pire que ça. Ma trottinette est à côté du tombeau de papy, je vais devoir rentrer à pied, je crois que c'est à 1 heure d'ici. Et tu sais, le pire, c'est que je sais que mon beau-père va faire. Je sais ce que mon beau-père va faire pendant que je me galère pour rentrer. Il ira à la maison, il rentrera sans même enlever ses chaussures, sans dire un mot à maman. Il montera dans la salle de bain sans rien dire. Il prendra une chaussette et la remplira de savonnette. Pourquoi? Parce qu'il déborde de haine. Une chaussette avec une savonnette est une caractéristique très intéressante. Elle ne laisse aucune trace quand on l'utilise pour frapper quelqu'un. Je le sais très bien, ma mère aussi. Et lorsqu'il bat ma mère et lui dit à quel point son fils est pathétique, je suis coincé dans cette forêt noire et vide. Tout ce que je peux espérer est que quand j'arriverai enfin, il sera déjà endormi dans le lit et peut-être que je réussirai à aller me coucher sans qu'on me fasse davantage mal aujourd'hui. Ouais, d'accord, ok, il faut jouer, genre... Faut jouer, mais genre light. Ouais, ça se joue à des millimètres, quoi. Ah! Ok. Ah merde! Je l'ai pas eu, le bâtard. Ok. Alors, si je descends. Ou si j'arrive à monter plutôt par là, non? Bon. Je vais le finir, lui. Parce que là-bas, au final, je suis déjà allé, mais...
Alors, par contre, à côté, il y a Mamie Douche là et Mamie Douche. Elle est où, Mamie Douche? Elle est là, Mamie Douche. Ah, parce que là, il y a au-dessus, mais au-dessus, je sais pas si je peux y aller. Ah, mais c'est chiant là. Quoi cette statue là? Ah merde! Ah putain! Viens là! Je te foutre bien pile au bon moment. Allez, on devrait trouver une clé au bout d'un moment, non? Ouais, d'accord, zone de merde, quoi. Alors. Ah! On est où là? Ah putain, d'accord, ok, c'est juste pour retomber là quoi. Voilà, et là tu passes de l'autre côté. Non! Je veux pas monter! Je veux juste continuer tout droit! Et merde. Au bout de tout ça, là, on devrait trouver une clé à force, non?
serait pas mal, non? Wouhou! Allez, finis-le! Ah, 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 viens là, toi. Ok, donc là, j'ai ouvert ça. Ok. Attends, on va juste retourner tranquillement. Sauvegarder. Ça coûtera pas plus cher, on est juste à côté. Non, non, mais ça va, tu m'as pas vu là, faut arrêter. Ah, d'accord, attends. Ok, j'ai compris pourquoi il fallait le cheval du coup. Là, tu fais ça. Et là, tu exploses comme ça. Voilà, et là vous du coup vous avez la clé. Alors. Alors, on va faire sauvegarder. On va acheter ça. Ça, je m'en fous. Se TP. Et on va se TP en bas. Alors là, la potion, elle ne servira pas à grand chose. Le gardien des rêves. Ah putain, d'accord. Ah putain, elle te suit en plus. C'est dommage. Ah merde! Ah merde! Non, non. Bah, il est pas extraordinaire, j'ai pas envie d'utiliser de. Il a pas l'air fou en réalité comme boss.
Non, je m'attendais à quelque chose de plus compliqué et tout ça. Franchement, ça va. Alors, c'est pas grave. Ça va, je me suis touché pour la première fois. C'est pas la mort. Ouais, là non plus. Bon, par contre, éviter de trop te faire toucher quand même, ce serait pas mal. Ah, je le sais. Ouais, voilà, c'est pour ça que je voulais pas. Vous savez, j'ai guéri le cœur blessé de Max avec mes contes de fées. J'ai dépeint un monde pour lui où il pourrait se cacher de tous ses problèmes. Ah, c'était grand-père! J'ai créé de fabuleuses créatures dans son imagination qui pourraient davantage briller que le soleil, assez lumineuses pour le réchauffer dans ses jours les plus froids et difficiles. Je suis parti maintenant dans le monde extérieur, mais j'ai trouvé un chez-moi ici pour toujours, maintenu vivant dans les souvenirs chéris par mon petit-fils que j'aime, et vous êtes venu faire quoi? N'est-ce pas pour détruire tout ce que j'ai construit dans l'esprit de Max pendant tant d'années avec tant de soins et d'amour? Je lui ai appris à rester sain d'esprit dans un monde inhospitalier. Je refoulais cette dépression, je refoulais d'autres phobies et névroses. Aucune n'a jamais franchi les hautes enceintes de nos châteaux. Ah, c'est qui, là? Ah, madame dépression! Rien, vous êtes un rêve, vieil homme, et tous les rêves ont une chose en commun, ce sont tous des mensonges. Et vous, bien sûr, vous êtes si ardemment attaché à la vérité, vous êtes en train de ruiner la vie de mon petit-fils, vous empoisonnez son esprit, vous le harcelez de névrose. Je n'ai rien à vous dire, serpent, vous en avez déjà assez fait, les murs de nos châteaux sont sur le point de s'écrouler. Ensemble, vous l'avez privé de ses rêves, de son enfance, de ses souvenirs heureux, vous lui avez même ravi ses peurs naturelles. Et maintenant, vous vous tenez devant la dernière barrière de son esprit, le dernier abri chaleureux. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi ne portez-vous pas le dernier coup? Est-ce que vous connaissez Max aussi bien que vous le prétendez? Êtes-vous sûr que votre château est véritablement le dernier bastion? Ou bien y a-t-il quelque chose dans vous, même, vieil homme, vous ne pourriez pas protéger votre petit-fils? J'ai fait tout ce que j'ai pu au cours de ma vie, j'ai fait de mon mieux après ma mort, et au moment exact où mes forces s'épuisent, pour une raison qui m'échappe, vous avez consenti à me parler. La stratégie des rêves ne change jamais, vous êtes limité à une petite île de sécurité au milieu de l'obscurité du chaos, vous ne souciez même pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a quelque chose de plus effrayant dans la conscience de Max que moi, quelque chose de bien plus fort que vous, et malheureusement je ne parle pas de notre petit clown. J'ai protégé Max de tout, je n'ai juste pas pu le sauver de vous deux. Vous savez que c'est faux, vieil homme, allez, dites vraiment ce que vous n'avez pas pu gérer. Mais non, le nom de cette créature n'a jamais été prononcé dans les rêves. Alors je serai la première qui osera le dire, beau-père. Vous n'avez jamais été capable de lui faire face, vous avez seulement traité les ulcères de Max. La maladie en elle-même était trop coriace pour vous. Ma présence ici n'est pas due à votre mort, je suis ici à cause de tout le stress et le désespoir causé par le beau-père de Max au fil des ans. Le beau-père vit très profondément dans l'esprit du garçon, je veux faire sortir toutes les souffrances de Max. Je ne veux plus voir cet abcès grandir encore et encore, je veux le percer maintenant. Il est imprudent de défier le beau-père. On vous a fait voler en éclats, vieil homme, bien que vous ne soyez pas aussi faible que vous en avez l'air. Quand j'étais seul, la victoire sur vous ne m'était pas donnée.
Vous imaginez ce qui se passera si on combine nos forces? Je sais que vous le pouvez, les rêves, c'est votre domaine. Est-ce que vous pouvez proposer une union de la dépression et des rêves? C'est absurde. Ce n'est pas un choix entre maintenir votre position comme gardien des rêves ou vous unir à moi, vieil homme. Voici votre choix. Soit vous nous rejoignez maintenant, soit vous disparaissez pour toujours. Oseriez-vous laisser Max sans aucune trace de ses rêves, sans aucun espoir de bougie pour éclairer vos châteaux? C'est joliment dit, ça. Hélas, je n'ai pas le choix. Mais on ne peut pas encore approcher le beau-père de Max. C'est une difficulté temporaire et il y a seulement quelques obstacles mineurs. Alors écoute, petit clown, dans la conscience de Max, il y a encore de faibles névroses à peine en vie, ainsi que des méthodes de défense psychologique qui sont toujours à l'affût. Elles se cachent derrière les longues fils d'aiguilles que Max a érigées comme des barrières. Parmi elles, l'hylophobie, je sais pas ce que c'est, la vénustraphobie et le petit mais vivace souvenir d'un concert. Moi, je peux te faire passer les aiguilles, clown. Moi, je dois devenir une partie de toi. Vous avez obtenu une nouvelle capacité, le gardien des rêves. Utilisez le gardien des rêves pour vaincre les aiguilles. Mais c'est quoi les aiguilles? Je comprends pas. Ah d'accord, ok. Ok, ok, c'est pour passer par-dessus pour pas craindre les dégâts, quoi. Ok. Bon, là, on peut redescendre, du coup. Alors, en face, il y avait quoi, là? Ah putain, je peux pas passer là. Donc il va falloir que j'essaie de trouver un chemin pour me permettre de passer par là-bas. Sympa. Mais non, je me suis trompé. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là pour la fin de cet épisode. Donc, on a fini le monde enchanté, compagnie et tout ça. Battu le gardien des rêves, donc à savoir le grand-père. Et du coup, donc il va falloir que je cherche un peu à droite, à gauche, cette fois, où je dois aller pour rejoindre une quelconque nouvelle zone et essayer de vaincre, du coup, ces nouvelles petites phobies-là. Vénustraphobie... héliophobie ou je sais plus quoi, avec des noms assez bizarres, je ne connaissais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Bon, le boss en soi, ouais, j'avais pas envie de me régénérer et tout ça, là, d'utiliser le truc, là, parce que bon, déjà, il n'y en a pas 100 000, tu n'en trouves pas tout le temps, et deuxièmement, ça vaut quand même 300 ballons, donc bon, quitte à aller en racheter un après, moyen, je veux dire, le boss, c'était pas non plus très difficile, j'ai vu des boss quand même un peu plus techniques.
Voilà, donc dans l'ensemble, c'est pour ça que j'ai préféré y aller tranquillement. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, si je meurs, je meurs. Mais au moins, je referai tranquillement avec toutes mes vies et ma possibilité de me régénérer au cas où pour une difficulté un peu plus corsée, quoi. Voilà, ben j'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao, ciao!